Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a deux sujets là que je voulais évoquer ce matin. Et je veux évoquer ce sujet là parce que ça nous a retrouvés dans les groupes WhatsApp. Je crois que beaucoup de personnes ont regardé ces images là. Je vais d'abord vous présenter les images. C'est l'image d'une femme policière, je sais pas, du policier ou policière, et un biroir dans la rue. Il y a également une vidéo qui circule dans le groupe WhatsApp, un homme qui a surpris son voisin sur sa femme. Il les a filmés nus, obligeant le voisin à continuer à tout mal. Je vais d'abord commencer par le policier. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je ne connais vraiment pas ce qui les a poussés à arriver à ce niveau. Je ne sais pas si c'est parce que le bureau ne voulait pas respecter les consignes du policier avant que c'est arrivé où c'est arrivé là. Je ne vais pas trop entrer en profondeur. Je voulais juste rappeler ceci au nien. Vous avez vu au lycée d'Edea comment les enfants se sont comportés en entrant dans un établissement avec des machettes pour faire le haut. Quand vous vous comportez comme ça dans la rue, vous qui êtes supposé montrer le bon exemple à la jeunesse camerounaise, aux jeunes Camerounais, quand vous vous comportez, vous vous chamaillez dans la rue, devant tout le monde, on vous filme. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Les enfants, nos enfants qui sont à la maison, qu'on leur demande d'avoir peur de la loi, des hommes en tenue, ils vont vous respecter. Je veux vraiment, quand vous vous comportez comme ça, ces enfants-là vont vous respecter. Est-ce qu'ils vont comprendre les conseils de leurs parents, de leurs aînés? Parce que le comportement que vous affichez devant ces enfants, ce n'est pas digne. Un enfant qui était sur le point d'avoir peur d'un nien, d'un homme en tenue, quand vous vous comportez, vous pensez que ces enfants vont encore vous respecter? Vous serez les premiers à dire qu'on ne respecte pas les hommes en tenue au Cameroun. Vous vous comportez d'abord comment? Est-ce que c'est digne ce que vous faites dans la rue là? Comment un policier, ça se passe comment jusqu'à vous vous chamailler? Que méfiez-vous, toi aussi l'homme, tu viens chamailler, tu viens faire le bras de fer avec une femme. Vous ne respectez pas les femmes. Vous ne respectez pas nos sœurs. La femme est la mère de l'humanité, même si elle n'avait pas de tenue sur elle. Même si elle n'avait rien sur elle, c'est une femme. Rien que le fait que c'est une femme, tu as le droit de respecter cette femme parce que c'est ta mère. Sans cette femme, tu ne devais pas avoir de vie. Respectons-nous. Les enfants là sont toujours en train de copier le mauvais. Et c'est ça que le comportement que vous affichez dans la rue là, que ces enfants copient. Maintenant, je voudrais revenir à l'autre vidéo que vous avez vue dans les groupes WhatsApp. Le monsieur qui est arrivé chez lui, il a trouvé le voisin sur sa femme. Moi, honnêtement, j'ai toujours dit aux femmes ici là que quand ça ne va pas, si vous sentez que votre mari n'est plus efficace, que de faire ce genre de choses, le divorce n'est pas interdit. Vous pouvez tout simplement quitter. Vous allez venir dire ici que j'encourage les divorces. Je ne sais pas, les couples des gens. Franchement, ce que vous avez fait, c'est plus grave que le divorce. Comment se fait-il que tu peux appeler, toi femme, le voisin chez toi, toi-même le voisin? Les auberges servent à quoi? Les hôtels. Vous ne pouvez pas sortir, aller loin. Toi-même, tu viens chez ton voisin, ou c'est sur le canapé, ou c'est sur quoi. Tu es là, koudoum, 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 koudoum. Voilà l'homme, le monsieur. D'autres disent même que c'est un homme en tenue. Je ne sais pas si c'est vrai. L'homme même, le monsieur, le responsable même arrive. Tu trouves le voisin sur ta femme. J'en ai vu même le sang, où tu as frappé que la matière sur ta tête, où tu as fait comment? Tu l'obliges que tu vas en tot, tu vas tout ma, continue à tout ma, et tu es en train de filmer. Tu filmes pour balancer sur Internet, dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu te soucies? C'est la mère de tes enfants, non? Même s'il y a eu n'importe quoi, c'est ta femme, mon frère, c'est la mère de tes enfants. Quand tu balances sur les réseaux sociaux comme ça, est-ce que tu as pensé à tes enfants? Qu'on va voir leur mère? Parce que tout le monde a vu l'image. Demain, là, quand on va voir les enfants, là, auront quelle image? Quand les enfants, là, eux-mêmes vont tomber. Parce que, n'oubliez pas, hein,
que les gars gardent souvent ces choses-là. N'oubliez pas, c'est peut-être après 10 ans. Les gars vont sortir la vidéo là. Si tu penses que tu fais ça parce que tes enfants sont encore petits, même dans 50 ans, tes enfants peuvent tomber encore sur ces vidéos. Il y a les sauvegardes. Les gars ne blaguent pas avec les archives. Un jour comme ça, là, la même vidéo là, va se retrouver sur la toile. Tes enfants qui étaient tout petits, avaient 10 ans, ils auront déjà 25 ans. Ils vont revoir ce que leur père avait fait à leur mère. Vous posez des actes sans réfléchir, sans comprendre. Faites très attention quand vous posez des actes ici dehors. C'est vrai, on peut comprendre, c'est la colère. Mais la colère ne te donne pas le droit de... Mais comment tu fumes la nudité des gens et tu exposes? Ça, c'est même la prison. C'est ta femme. C'est vrai. Tu as trouvé ta femme en train de te trahir, de te tromper. La police est là pourquoi, mon frère? La police et la gendarmerie est là pourquoi? Va porter plainte. Tu as les preuves. Tu as filmé, non? C'est une preuve palpable. Va déposer une plainte avec ça, avec tes preuves que tu as. Et tu enfermes tout simplement le voisin. Mais l'acte que tu as posé là, c'est plutôt toi qu'on doit condamner. Parce que tu n'as aucun droit de filmer les gens nus et exposés. On tourne à les X au pays. Et tout ça, nos jeunes petits sont en train de regarder. Et copient que le négatif. Parce que ces enfants-là copient seulement le négatif. Demain, quand vous allez les voir en train de pratiquer la même chose, vous allez dire, oh, les Cynthia Fiangan sont mon fils en descendu. Ce sont des choses comme ça, ils passent le temps à voir les papas faire des trucs comme ça. Toi-même, tu viens, toi, c'est, ce que tu faisais là, c'est quoi? C'est le X que tu as tourné dans ta maison. Deux papas, ils sont là, le père et la femme, tu filmes, tu balances. Les enfants vont regarder. Tous ces enfants, ils ont les téléphones Android. Ils sont dans les groupes WhatsApp. Ils vont tomber sur ça, ils vont regarder. Et demain, ils vont chercher aussi à faire la même chose. Et où va la jeunesse? Voilà comment le pays devient zéro. Faites gaffe, chers parents. Soyez un peu matures. Le blanc n'a pas créé le téléphone avec la caméra pour des bêtises. Vous devenez même déjà quoi? Internet devient même quoi au pays? Le tribunal? Ok. Continue alors. C'est tout ce que je voulais seulement vous dire ce matin. C'était le général Franco. Et ne vous plaignez plus que vos enfants sont désordonnés, sont ci, sont ça, sont baba. Ne vous plaignez pas. Parce que c'est d'abord vous les parents qui les montrez des exemples à suivre. Ne vous plaignez pas. Voilà, cher Benguis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. C'est le meilleur. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Ététat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descend, pharmacie du soleil. Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.